Qu'est-ce que c'est que, dans le fond, le bonheur, ça pourrait être aussi considéré, déjà au niveau individuel, être heureux. Être heureux, c'est non seulement considérer que dans sa vie, telle qu'on la voit en tout cas, on vit quand même davantage de choses positives que de choses négatives, tout bien considéré, c'est-à-dire que si on est dans une espèce de balance un peu imaginaire, tu vois, entre le cool et le pas cool, ben c'est vrai que le cool est quand même plus important pour être ça. Mais c'est pas ça qui va faire le bonheur. Ça pourrait faire le fait d'être bien. Mais le bonheur en tant que sentiment, en tant que dynamique, ça va être à la fois ce sentiment que le mieux et le bon reste quand même un poil plus lourd que le mauvais et le toxique. Mais surtout, c'est ça pour ça qu'on est heureux, ça a un sens pour moi. C'est-à-dire, je vois à quoi ça rime. Et non seulement ça a un sens pour moi, mais je comprends pourquoi j'y suis pour quelque chose. Donc, pour moi, les trois critères du bonheur réel, profond, c'est grosso modo, je rends grâce à ce qui m'arrive, mais parce que je vois à quoi ça rime, et je vois pourquoi j'y suis pour quelque chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que si on considère que les trois clés du bonheur, c'est des choses plutôt positives que négatives, du sens, et j'y suis pour quelque chose, j'ai une responsabilité là-dedans, on voit très bien à quoi ça mène le malheur, hein. Des choses négatives qui riment à rien et j'y suis pour rien. Ça, c'est l'horreur.